Boutique. J'ai décidé de vous amener avec moi dans une journée en tant que créatrice de contenu sur Instagram. Juste un petit disclaimer, ceci n'est pas mon emploi principal, c'est pas ma source de revenus principale. J'ai commencé à travailler avec des compagnies seulement au début de l'année 2021, mais j'ai deux emplois là, qui me permettent de vivre. Puis surtout aujourd'hui, ce que je fais, c'est même pas en collaboration avec des compagnies, mais je vous amène parce que aujourd'hui, je filme. Ben, j'ai pris congé là, parce que j'avais beaucoup de choses à faire pour Instagram. Donc, je me suis dit aujourd'hui, on fait comme plein de contenu, fait que je vais vous montrer ça. Je vais filmer un Reels de qu'est-ce que je mange dans ma journée en tant que végane. Donc, je vais tout vous montrer un peu le behind the scenes de tout ça. Puis aussi, je vais prendre une photo pour Instagram. Fait que c'est pas mal ça qu'on va faire aujourd'hui. Fait que là, comme vous avez vu, je commence toujours ma journée avec... je fais mon lit, je médite un petit peu en écoutant des affirmations positives. Après ça, j'écris mes gratitudes dans un journal. Des fois, je manifeste des trucs. Puis, je prends un grand verre d'eau. Là, il fait hyper chaud. Il fait 30 degrés dans mon appart. Puis... c'est vraiment lourd, mais bon. Fait qu'aujourd'hui, je commence avec mon déjeuner. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a comme situation ici. J'espère que vous allez apprécier ce genre de vidéo. Mais voilà, je vous amène avec moi aujourd'hui en tant que créatrice de contenu foodie vegan. Donc ici, vous avez comme, si vous me suivez sur Instagram, là, vous avez comme le tableau que ma soeur m'a fait qui me sert beaucoup de background pour mes photos parce que je trouve qu'il est juste trop beau. Puis la luminosité est souvent belle aussi. Fait que là, j'ai mon coconut bowl ici. Puis, je me fais un bol de yogourt. Fait que j'ai préparé mes trucs. Donc, j'ai des pêches du Québec, des fraises du Québec, du granola. Puis, le yogourt que je vais utiliser, c'est celui-là. Je vais aussi mettre des bleuets. Puis, je vais voir si je rajoute des trucs. Mais, fait que j'ai toutes mes choses de prêtes. Puis, oui, je suis encore en pyjama. Vous pouvez le voir ici. J'ai toutes mes choses de prêtes. Puis, là, je fais un reel. Fait que je vais comme essayer de faire... étagé, là, comme je vais mettre une chose, je vais filmer à chaque fois. En tout cas, si vous voulez voir le résultat final, il va falloir aller sur mon Instagram. Mais voilà, fait que je vous montre le résultat final quand c'est terminé. Alors voilà, le résultat final, c'est tellement beau, tellement frais pour l'été, c'est parfait. Des produits locaux. Fait que voilà, je vais manger ça, puis après ça, je pense que je vais aller à l'épicerie avec vous. Ok, donc je me suis habillée. Et je suis partie à l'épicerie, seigneur qu'il fait chaud, j'ai les cheveux tellement dégueulasses, je sue partout. Bref, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris à l'épicerie. C'est une petite épicerie parce que j'avais pas mal tout, j'étais déjà allée il y a 2 jours, puis j'aime ça faire des petites épiceries pour pas comme gaspiller. Fait que voilà, je vais vous montrer ça. Ok, j'ai décidé d'aller au Dollarama parce que... pour ça en fait. Fait que de l'eau Perrier à 1$ au Dollarama. Ça, je vais vous faire une petite confession, là, ça fait des mois, là, mais genre des mois que j'ai pas de lumière dans ma cuisine parce que je refusais d'acheter une ampoule parce que mes ampoules tiennent même pas un mois. Il doit y avoir quelque chose dans l'électricité, je sais pas trop, là, mais là je me suis dit je peux pas construire comme ça, fait que en tout cas j'en ai acheté, je m'attends à ce qu'elle brûle bientôt même si c'est censé durer 10 000 heures. Anyways. J'ai acheté un kombucha parce qu'ils sont 2$, c'est les moins chers que j'ai jamais vus. Des mangues, ça c'est mon obsession, les mangues séchées. Puis j'ai acheté des chips parce que pourquoi pas. Sinon, pour ma poutine ce soir, que je sais pas si je vais faire parce que comme je l'ai dit, il fait tellement chaud. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de manger, mais en tout cas, c'est ça le plan. J'ai acheté des frites, j'ai acheté du fromage vegan. Puis j'ai acheté de la sauce brune qui est vegan. Leur sauce à poutine n'est pas vegan. J'ai acheté du lait, de soya et des céréales. Je pense que c'est plus ça que je vais manger pour souper, un bol de céréales parce que... ouais, c'est ça.
Je ne sais pas si vous avez chaud aujourd'hui, mais c'est ma réalité. Donc voilà ma petite épicerie. Donc voilà ma superbe salade. J'ai tellement hâte de manger ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre genre de salade. Un classique réinventé. Bon appétit, je m'en vais dévorer cette assiette. Alors j'ai finalement fait ma poutine, voilà le résultat. Puis je vais sûrement avoir un verre de ce jus-là. C'est des clémentines, des oranges et des fraises de Loupe, qui est une économie circulaire, donc ils réutilisent les fruits et les légumes qui seraient rejetés autrement par les épiceries. Puis ils font des jus, des smoothies, des bières, des savons, en tout cas plein d'affaires le fun, puis que j'aime bien encourager cette marque-là quand je veux des jus. Et c'est pas très dispendieux comparé aux autres jus pressés à froid. Donc voilà, j'ai fait j'ai édité mes vidéos entre les repas, comme ça j'ai pas une grosse batch à faire comme à la fin. Je le fais une fois de temps en temps. Puis voilà, donc c'est ça qui complète ma journée. J'espère que vous avez apprécié. Passez une très belle soirée tout le monde. Bye bye!